Préparez-vous, attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on a des choses importantes à discuter. C'est totalement faux, il n'y a jamais de choses importantes sur cette chaîne. Et les trucs drôles, par contre, j'ai des défis à réaliser que je vous ai demandé de poser sur Instagram. Le premier qui est meurt. Je vous ai vraiment demandé de me défier sur Instagram et il n'y a pas de trucs originaux qui sont sortis. Hein. Retiens son souffle 3 minutes. Sérieux? Tester durant ton année tous les cheesecakes de Cheesecake Factory. Sérieux? Toc chez des gens et tu leur parles français. Sérieux? Et demander à des Américains dans la rue ce qu'ils pensent des Français. Ça, c'est prévu par contre. Je vais faire une vidéo comme ça où j'allais interviewer des gens dans la rue et leur demander ce qu'ils pensent des Français de la France. C'est prévu, ça viendra sûrement un de ces quatre, je sais pas encore, c'est pas planifié exactement. Voilà, je suis en train d'entrer, je m'en vais, j'étais chez mon poteau Matt. Je rentre et je suis. C'est week-end en ce moment, je suis vraiment en train de me préserver un petit peu si vous voulez. Et d'économiser tout l'argent que j'ai encaissé grâce au taf. Et tout ça pour plusieurs raisons, pour le fait que je vais voyager énormément dans les prochains mois. Dans un mois et demi à peu près, il va y avoir un gros road trip qui va venir autour de la Californie, donc on va faire Vegas, etc. Plein de choses à venir. Et ces vlogs-là vont être assez incroyables, croyez-moi. J'en ai déjà parlé quand j'étais à Montréal l'année dernière, enfin quand j'étais à Montréal pour Nouvel An. J'en avais parlé, j'avais dit qu'on ferait un road trip en Californie et que mon frère reviendrait. Et ces vlogs-là vont être vraiment incroyables parce que j'aurai plus de matériel, plus de temps, moins de comment dire, de gêne peut-être par rapport aux gens avec qui je ferai ces vlogs-là. Donc ça va être vraiment cool. Petite parenthèse par rapport à la vidéo d'hier, il y a une chose dont je voulais vous parler. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai dit que j'arrêtais YouTube, etc. Vous avez bien compris que c'était un poisson d'avril. Mais à quel moment est-ce que c'est acceptable d'abandonner un projet, d'abandonner ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes investi pour réaliser? C'est jamais acceptable. Pour moi, il n'y a aucune excuse valable d'abandonner un projet ou d'arrêter quelque chose que vous avez vraiment combattu pour achever. Donc pour moi, quel que soit votre projet, quel que soit votre objectif, il n'y a aucune raison, vous ne pourrez jamais me donner une seule raison valable d'abandonner. Quand on veut quelque chose, et je sais que ça peut paraître un peu cheesy comme ça, mais quand on veut quelque chose, on peut toujours l'avoir. ODD ! Ces Américains ne savent pas conduire, ils me rendent ouf. Et une autre chose que le road trip qui va se passer en mai, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que dernièrement j'ai mis une story où je disais que je partais le week-end prochain. Donc je pars près de Los Angeles, pas à Los Angeles mais près de Los Angeles, dans un putain d'hôtel, dans un putain d'endroit, pendant 3-4 jours. Et là-bas on va essayer de faire le max de trucs. J'ai entendu qu'on va faire du quad dans les dunes de sable et également du surf. Donc si j'ai l'occasion d'essayer tout ça, j'essaierai tout ça et je ferai des vlogs de toute façon de tout ça, peut-être un par jour si j'ai le temps et l'envie de le faire. Donc ça risque d'être bien, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent au futur. Regardez-moi ce temps magnifique. Comme je vous disais la dernière fois qu'on reprenait le beau temps en Californie, regardez-moi ce temps, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Il manque plus que les palmiers et la mer à côté de moi et c'est parfait. Ne vloguez pas en conduisant, c'est dangereux. C'est bien un truc que j'aime dans ce pays, mais c'est les bagnoles quoi. S'il vous plaît, d'ailleurs en parlant de voiture. Pour ce road trip, vu que tout est lié dans ce vlog, j'aurai une voiture. Ah, je vous le dirai pas maintenant, je vais pas vous dévoiler, mais on va avoir une super car pour ce petit road trip. Donc pendant 15 jours, on va conduire une bête de voiture. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je vais conduire une voiture de cette puissance, de cette ampleur. Donc on va pouvoir choper et des plans cool et des photos cool pour Instagram. Si vous saviez, j'attends ce moment avec une impatience incroyable.
très calme maintenant. Comptez les Tesla. 1, 2, 3. Let's go. Me laisse pas passer toi. Je deviens gros rageux sur les routes ici, hein, c'est incroyable. Retour à la maison, je suis rentré. Après un long moment de rage et de driving. J'ai failli tomber dans les plantes. Yes. Dernier mot avant la fin, j'aurais aimé être le créateur de la casquette que je porte actuellement. Parce que ça me ressemble tellement. On se voit bientôt.